après notre visite de la confrérie de l'Olivier, retour en quelque sorte sur le terrain avec un professionnel. Il est pépiniériste dans les Alpes d'Haute-Provence et évidemment cet arbre, l'Olivier, il connaît bien, c'est Eric. Eric, bonjour. Bonjour. Il a bonne presse, il a le vent en poupe, notre Olivier, les gens en veulent dans leur jardin ou bien c'est un petit peu passé? Pas du tout, c'est très très considéré en ce moment, beaucoup demandé, surtout des pièces caractérisées en bâton. Déjà, en bâton, c'est quoi? Il y a un peu le volume comme ça là, qui est caractérisé. Des jeunes pieds, c'est pas encore assez attractif pour avoir ça dans le jardin, donc les gens veulent quelque chose de joli. Et voilà, et ça reste un beau produit de la Provence. Ça vit combien de temps un olivier? Ah, ça nous enterre théoriquement, hein. Ça, 200, 300 ans. La pépinière, on a des pièces à 300, 400 ans. Et on va parler de chiffres, non. on n'est pas écouté, non. Donc ça vaut entre combien et combien un olivier centenaire? 15 euros de... Ah oui, là c'est raisonnable. Voilà, pour le budget de tout le monde, et jusqu'à 7, 8 000 euros. Ah, c'est un investissement? Oui, tout à fait, comme une maison. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un olivier soit bien chez moi? Du soleil, un beau soleil, ouais, de l'espace, un peu biné, il faut s'en occuper. Ah, c'est ça que tu m'as dit, ça on l'oublie. Alors biné, c'est-à-dire je remue la terre autour? Voilà, un binage vaut deux arrosages, hein, et puis ça lui plaît qu'on s'occupe de lui, donc faut y aller. Au niveau du terrain, il faut quoi comme type de terrain? Ben, chez nous, il s'installe bien, surtout la Glando. C'est la variété qui est le plus installée dans les Alpes de Haute-Provence. Hein. Donc voilà, la Glando, ça sera plus favorable. Il y a le Bouteillant qui passe pas mal aussi. Mais la Glando, c'est le maître de la maison. Et je récolterai des olives chez moi? Ben, vous pouvez constater par vous-même, hein, il est tout jeune, il est en pot. Les olives sont présentes. Voilà. Bon, et juste un petit peu d'eau et je bine. C'est ça, faut pas le laisser tout seul, il faut s'en occuper. Ouais, voilà. C'est vrai, tu m'as dit, il y a quelqu'un qui te disait j'envoie quelqu'un faire la sieste et avant de s'allonger sous l'olivier, il bine. Voilà, sur Oraison, dans la vallée d'Oraison, entre Oraison et le Castellet, il y a un personnage qui a beaucoup d'oliviers, il envoie un petit bébé comme ça, il va faire sa sieste dans les oliviers, les biner un peu, histoire que les oliviers ne soient pas tout seuls. Voilà, si vous comprenez pourquoi c'est un arbre qui nous va bien à nous, pas beaucoup d'entretien, on peut y faire la sieste à l'ombre dessous. Ça correspond vraiment à notre caractère, nous les gens du sud, nous les Provençaux. On est allé voir la confrérie de l'Olivier, on a fait un petit tour du côté de la pépinière d'Eric pour faire l'aioli, huile d'olive, mais aussi de l'ail. Allez, direction cette fois-ci la confrérie de l'ail, parce que la confrérie de l'ail, elle est présente aussi ici. Au niveau culinaire, qui dit olivier, huile d'olive, dit en Provence forcément association avec l'ail. Ben les voilà, ceux qui défendent l'ail de Trets, m'a-t-elle dit. Les voilà, ils sont invités au sein de cette fête de l'olivier. Brigitte, bonjour. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici et d'être honorée par la confrérie de l'olivier, la Roussie de Riez. Donc notre confrérie existe depuis l'année 1991, elle a 24 ans d'existence. Nous défendons les produits du terroir, en particulier l'ail. Mais les vins, la gastronomie, voilà. La culture, toutes les traditions. Notre confrérie se déplace dans de nombreuses villes, de nombreux départements. Et en plus, nous allons au-delà des frontières. Nous revenons de Venise, nous avons conclu un jumelage avec la Tavola Veneta, la gastronomie vénitienne. Et dimanche dernier, nous étions à Gap. Donc pour le festival des confréries, nous avons gagné le deuxième prix de la pomme d'argent. Voilà, ils m'ont donné cette tresse d'ail. Bon, un petit peu vieille, m'a-t-elle dit la dame, puisqu'il a 10 ans. Alors, elle porte un certain nombre d'éléments, une gousse d'ail à son cou, et puis alors ça. Ça, c'est le pilon qui est fait avec monté sur une tête d'ail pour piler l'ail, pour monter la pommade de l'aioli. Et ça? Est-ce que vous avez le grand gros bâton là? C'est le grand maître qui gère la confrérie. On dira que c'est un gros bâton du grand maître avec montée du pilon pour faire respecter à tout le monde
quand on est en confrérie, quand notre association se déplace, tout le monde doit suivre le grand maître. Sinon, c'est un coup de bâton. Sinon, ah non, mais quand même, maintenant, c'est fini les châtiments. Hein. Mais sinon, c'est un rappel à l'ordre. C'est pour suivre la confrérie. Voilà. Bon, eh ben, Brigitte va tendre son bâton puisqu'on va la suivre sur le moment qui va conclure notre passage ici à Riez. Le concours d'Aioli, et ça sera le jury. À elle toute seule, elle fait le jury, donc on va la suivre. Restez-nous fidèles.